voici le packaging du nouveau disque XP haute fréquence 22 cm. Donc, en apparence, pas grand-chose ne change. On retrouve la même boîte que les disques traditionnels et actuels sur XP. La seule chose qui va changer, c'est cet autocollant jaune qui nous informe qu'on est sur la série haute fréquence des disques de chez XP. Alors, quand on ouvre la boîte, on constate qu'à l'intérieur, le disque est fourni comme l'ensemble des autres disques chez XP avec son bas de canne. Il y a également le petit kit de serrage à l'intérieur. On va maintenant décrire le contenu de celle-ci. On y retrouve donc le bas de canne, le fameux disque haute fréquence 22 cm WD. On a à l'intérieur ce petit tube cylindrique qui contient la batterie. Un petit élément plastique rouge utile, on va y revenir tout à l'heure. Et évidemment, la notice de montage avec le kit de visserie qui est à l'intérieur. Alors, commençons par le disque. La première chose que l'on remarque, évidemment, c'est sa couleur. Le disque est blanc, contrairement aux autres disques de la gamme XP qui sont noirs, tout simplement parce que ce disque est aussi fait pour la recherche de ciblorifères, des pépites d'or natives, en l'occurrence, dans des pays où il fait très chaud. Et pour ces raisons, pour éviter les surchauffes, le blanc a été privilégié. Évidemment, on a oublié de vous dire, mais le disque est fourni avec son protège-disque. Ça ne change pas chez XP. On note aussi l'apparition d'un petit câble qui permet de fixer, de brancher désormais la batterie ici. Alors, on va vous montrer ensuite comment on procède. Avant, la batterie était logée à cet endroit-là. Pour la changer, il fallait découper ceci, retirer la batterie et la changer. Désormais, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est un système très ingénieux qui nous permet de changer très facilement la batterie. Voilà pour le disque. Ensuite, on retrouve évidemment le bas de canne. Alors, la seule différence notoire avec les bas de canne traditionnels, c'est ce petit trou là, qui va justement nous permettre d'insérer le petit câble qu'on a vu du disque afin de le faire remonter tout au long et venir brancher la batterie ici. On vous montre ça ensuite. On retrouve évidemment à l'intérieur de ce petit tube cylindrique la batterie, la nouvelle batterie, voilà, qui ressemble à ceci. Donc on va venir brancher celle-ci à cet endroit-là. On vous montre comment après. On retrouve aussi le petit kit de serrage, qui ne change pas, hein, qui est fourni en deux exemplaires, comme sur l'ensemble de la gamme du disque XP, et évidemment le petit manuel qui nous montre le montage du disque en quatre étapes. Et cette fameuse petit élément en plastique rouge qui va nous permettre justement d'accrocher le petit fil, de le passer dans le trou du bas de la canne et de le remonter jusqu'en haut pour venir positionner la batterie. Thank you.